Bonsoir. Bonsoir. Tu sais, Richard, il y a sûrement plusieurs personnes ici ce soir qui se posent la question à savoir qu'est-ce que ça veut bien dire Soto. Eh bien, Soto, ça veut dire, et en japonais et en chinois, extérieur. Soto, c'est aussi le nom du violoniste du groupe. Leur musique est une recherche dans un rock contemporain avec des influences orientales. Mesdames et messieurs, voici Soto! Je suis en péril.
Voici venu le moment où je suis vraiment heureux de ne pas faire partie du jury. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la lourde tâche d'aller délibérer et de trouver un gagnant pour la soirée. Alors, je vais vous faire patienter un peu en attendant. Avec cette chanson que j'ai écrite l'année dernière, qui pourra peut-être pas changer énormément de choses sur l'intolérance qui se passe actuellement sur Terre, mais que je vous offre quand même avec mon espoir. Voici, c'est un mur.
Je me présente, mon nom est Luc Delisle. Un gars, tu sais quoi? J'ai eu le plaisir de côtoyer plus de 40 formations qui avaient cette rage de chanter la victoire. Et comme on le sait, il y en a 4 ce soir qui ont pu chanter cette victoire ici sur la scène du Théâtre Saint-Denis. Alors, je vais demander à ces gens de bien vouloir venir me rejoindre afin de prendre possession de leur trophée tout vêtu de bronze qu'ils méritent bien. Je vais demander à la formation Long Weekend. La formation Alex. Bolt. Et Soto. Comme on sait, ces 4 finalistes pourront enregistrer un 45 tours en français au cours des prochaines semaines. J'aimerais vous présenter M. Louis Morin, qui est le directeur, vice-président marketing de la Brasserie Labatte, qui est le grand commanditaire cette année de l'Empire des Futures Stars 4e édition. M. Morin. Bonsoir. Même si l'origine du rock est américaine, la performance des 4 groupes de ce soir nous démontre hors de tout doute que le rock québécois est promis un brillant avenir. C'est dans cette optique qu'en plus de la bourse de 3 000 nous invitons le groupe gagnant à participer à la prochaine campagne de publicité de Budweiser qui sera diffusée sur les ondes de C'est quoi. Et maintenant, le gagnant... Michel. Alors... J'ai eu le bonheur de me sauver d'être dans le jury, mais là, ils se sont déchargés sur moi. Il faut que je dise le nom. Alors, je vais y aller bien vite. Volt! Comme d'habitude, on a toujours beaucoup de remerciements à faire. Je voudrais remercier c'est quoi? Gardier Pie, Trépanier, je voudrais pas trop nommer de nom, mais je sais que j'ai pas le temps. Je voudrais remercier Budweiser aussi. Le monde qui nous ont fait confiance puis qui nous ont aidés, parce que 10 ans, c'est long. Mais enfin, on l'a, puis on est là pour rester. What else can I do?
With you.